nos employés. Merci pour l'esprit de l'Esprit des cieux. Merci pour les soeurs. Merci pour les frères. Merci pour nos enfants. Reconnaissant, tu nous as accordé de voir cette année. Père, je ne pensais pas, Seigneur, pouvoir arriver jusqu'en 2017. Parce que je croyais, Seigneur, quand j'ai cru ce message, que peut-être dans les 10 années qui suivraient, tu serais revenu nous prendre, Seigneur. Mais ta seconde venue, Père, a mis, Seigneur, un certain temps avant d'être accompli. Mais nous attendons, Seigneur. Et tu nous as fait grâce pour que nous l'attendions dans la foi. Dans ce message, nous te disons merci. Merci pour les frères et les sœurs que tu nous as donnés. Merci pour l'Église. Merci pour le Saint-Esprit. Merci surtout pour la colonne de feu. Pour Jésus-Christ. Pour toutes ces apparitions. L'ange du Seigneur est une réalité. La guérison est une réalité dans l'île de la vallée. Les miracles sont une réalité. Les bénédictions sont une réalité, Seigneur. Bénis encore ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. D'achever une année sous l'onction. Et de commencer une nouvelle sous l'onction encore. Amen. Nous allons lui demander la triple onction du Saint-Esprit. Amen. Élisée a demandé le double. Nous, on va demander le triple ou le quadruple. Amen. Parce que les temps sont plus mauvais. Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu. Prenons Genèse au chapitre 14, depuis le verset 17 jusqu'au verset 18. Non, au verset 21. Et j'aimerais qu'on me prépare la prédication communion, paragraphe 24. Ok. Genèse 14, de 17 à 18. À 21, oui. De 17 à 21. Soyons levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer, Simana Abraham Kulunga
bato oyo ya Kedar Laomea. Et les rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Ba mikondi pe mikondi ya Sodome na Gomor ba bimi liboso na ye na kati ya lobwaku oyo ya Chavé qui est la vallée du roi. Oyo ezali lobwaku ya mokondi. Melchisedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisedek, le roi mokondi ya Kimia ya Salem, ye amemela ki ye vino pena lipa. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ye azala ki nganga ya Nzambe ya oyo azali likolo koleka. Il bénit Abraham et dit: Ye apamboli Abraham pe alobi. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Abraham apambolama uta na Nzambe o azali likolo, maître du ciel et de la terre. O azali mokonzi na lola pe anase. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Apambolama Yahweh o azali na likolo oyo apesi yo elonga na banguna na yo nyoso. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham apesi ye dîme tope moko na zomi. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. On peut en rester là. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que j'ai ici deux personnes qui nous ont visités? Oui, ils peuvent se lever. Ah, mais c'est tout noir là-bas derrière. Ça ne s'allume pas? Non, c'est bon. Hein? Oui? Ah, les gens qui nous visitent. C'est la première fois? Ah, c'est la deuxième fois. Vous êtes hein? La sœur Annie. Alice de Bruxelles. Ah, Nick, oui, oui, ah, oui. Ah, c'est la copine de notre fille, Bénédicte. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, il y a longtemps, sœur. Donc, je crois que j'ai raison qu'on puisse te recevoir. Nous te recevons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es toujours ici, au-dessus de Saint-Lambert, ou tu as déménagé? Ah, d'accord. Ok. Il y a quelqu'un d'autre? Ah, tes deux filles. Que Dieu vous bénisse, nos deux filles. Ok. Donc, tous les restes, vous êtes déjà ici, et voilà. Bien. À tous et à chacun de vous, bonne année. Le Seigneur venait de nous donner un message ici, avant que je ne monte en chair, pour nous dire que ce jour, c'est une soirée de communion de la Sainte Cène spéciale. Amen. Ça ne sera pas une soirée comme les autres, et c'est pourquoi vous devez être sûr, quand vous vous approcherez de cette table, que vous en êtes digne. Parce que le Seigneur fera des choses, parce que nous avons consacré ces éléments, nous avons prié pour que le Seigneur vous accorde tous les bénéfices liés à un service de communion ou de sainte cène. Donc croyez et le Seigneur va l'accomplir. Amen. De toute façon, il n'y a plus de temps, c'est 2017. Nous ne savons pas quand le Seigneur arrive. Le moment d'expérimenter sa bonté, sa miséricorde, ses grâces ou sa grâce bienveillante, ce moment, c'est maintenant. C'est ce mois, c'est cette année, c'est ce trimestre. Amen. Amen. Nous n'avons pas envie de le repousser plus loin, parce que nous savons que Jésus est capable de le faire aujourd'hui. Amen. Bien. Donc, comme je vous ai dit, je ne prêche pas, je vais tout juste dire un mot ou deux d'exhortation pour passer à... pour officier le service de communion. La Bible nous parle d'Abraham
Abraham, comme nous le savons tous, c'est notre père dans la foi. Amen. Chaque enfant ou chaque fils ou fille doit avoir quelque chose de son père. Amen. Abraham est notre père dans la foi parce que c'est Abraham qui fut parmi le premier à adorer un Dieu invisible, à obéir à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment tout comprendre avant de suivre le Seigneur. Mais Abraham entendit une voix. Et quelque chose dans son cœur lui disait que je peux faire confiance en ce Dieu. Amen. C'est Dieu qui lui a demandé de quitter son pays, sa patrie, de quitter son père, sa mère, et d'aller dans un territoire, dans un pays que je te montrerai. Amen. C'est le même appel que Dieu vous a lancé. Vous avez quitté votre belle jeunesse. Vous avez quitté votre vie dans ce pays pour suivre Dieu dans un pays qu'il vous montrera. Amen. Et nous avons vu que le message que nous avons cru est un territoire. Amen. Nous nous préparons dans ce territoire. Car c'est le lieu de rendez-vous entre Dieu et nous pour l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi vous êtes fils d'Abraham. Vous êtes fille d'Abraham. Amen. Vous savez, quand Dieu l'a appelé, Abraham avait essayé de prendre son père. Mais cela ne marcha pas. Abraham essaya de prendre même son neveu Lot. Mais plus loin, Dieu les sépara. Parce que Dieu avait besoin d'Abraham. Amen. C'est de toi que Dieu a besoin. Amen. Parce que tu penses peut-être pour venir à la parole, tous tes amis du monde doivent l'accepter. Ou pour que ce message soit la vérité, il doit être accepté par toute la ville de Liège. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Obéis à la douce voix de ton cœur qui te confirme que ce message est la vérité. Amen. Voilà pourquoi nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Mais pour avoir cru en Dieu, Abraham avait rencontré aussi des difficultés. Parce que Jésus nous a prévenu que le chemin du ciel, c'est un chemin étroit et resserré. C'est un chemin difficile. Il y aura des épreuves, des pleurs et des souffrances. Amen. Mais je t'informe ce soir, moi et mes soeurs et mes frères, nous avons brûlé le bateau qui nous a amenés dans l'île. Amen. Le bateau, nous l'avons déjà brûlé. Amen. Nous sommes dans une île. Amen. Nous resterons dans cette île. Amen. Quand nous levons les yeux, nous voyons des crocodiles, nous voyons des serpents, nous voyons des sorciers, nous voyons des bilimas. Mais derrière, il n'y a plus de bateau. Amen. Derrière, il y a les eaux. Amen. Si tu recules en arrière, tu vas tomber dans l'eau. Amen. Tu n'as qu'une possibilité, mon frère, ma soeur. Amen. C'est de continuer à avancer. Amen. De continuer à avancer. Amen. Si tu rencontres un serpent, souviens-toi de ce que Jésus, ton sauveur, t'a dit. Amen. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Si tu rencontres les problèmes des papiers, continue à avancer. Tu vas marcher sur ce problème. Si tu rencontres les divorces, tu vas dire j'avance. Je vais écraser le divorce. Alléluia. Si tu rencontres le chômage, du chômage, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? C'est moi qui vais te jeter à l'eau. Bien-aimés frères et sœurs, mon père m'avait donné un conseil. Moi, j'aimerais te redonner le même conseil. Un jour, je parlais avec lui à Kinshasa quand il n'était pas encore mort. J'ai fait un songe. Dans le songe, on m'a frappé. Il dit, écoute mon fils, je vais te dire quelque chose. Tu sais, les songes, c'est ton songe. C'est ton image. Si quelqu'un veut te frapper, dis-toi que non, moi je dois te frapper. Parce que c'est mon songe, c'est mon rêve. Alors moi je dois être vainqueur. Frère,
Père, depuis ce jour-là, si je fais un songe et que tu me frappes, je me lève, je prie, je dis Seigneur, je dors encore. Amen. Je vais réjouir cette affaire. Amen. Je dois vaincre. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oh, mais c'est un songe. Qui est déjà mort ici depuis qu'il a vu? On te suit avec des revolvers. Qui est déjà mort? Personne. Lève les doigts. Lève la main. Personne. Mais personne? Combien de fois j'ai vu déjà? Caca, on me tire dessus. Mais vous me voyez, non? Amen. Quelqu'un avec une épée. Oh, il me poursuit. Il met là-bas. Je suis ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que votre père Abraham était retourné vainqueur de roi des Kedar Laomer. Abraham. Amen. Bon, je ne veux pas prêcher. J'ai pas envie de prêcher. Amen. Frère, et Abraham, quand il alla à son retour, Abraham était faible. Nous avons fait des fautes. Nous avons commis des erreurs, des péchés l'année dernière. Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, et nous sommes au premier lueur de 2017. Nous nous trouvons où? Nous nous trouvons dans l'église. Nous nous trouvons sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours dans le message. Amen. Pourquoi? Parce que tu as vaincu en 2016. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas vaincu, ils ont passé, ils ont échoué dans les procès. Ils ont dit que Dieu donne des promesses qu'il ne tient pas. Amen. Dieu est toujours bon pour d'autres personnes, mais pour nous, Dieu n'est pas bon. Non, mon frère, ma soeur, il est bon pour tout le monde. Amen. Il fait lever son soleil aussi bien pour les méchants, même pour les justes. Amen. Mais pour toi, mon fils, et le fils d'un fils de Dieu, Amen. Il a dit, petit troupeau, ne crains point. Amen. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Amen. 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 Ils sont en train de trembler face à Poutine. Ils sont en train de trembler face aux histoires du monde. Mais nous savons une chose. Amen. Frère Branham nous a dit, Amen. Quand ils furent menacés en Égypte, ils sortirent de l'Égypte. Amen. Quand ils furent menacés au temps de Noé, ils rentrèrent dans l'arche. Amen. Frère Branham dit, ils sortirent de l'Égypte, Amen. Ils rentrèrent dans l'arche, Amen. Mais au temps de la fin, Amen. Pour échapper, Amen. Nous nous envolerons. Alléluia. Amen. C'est un peu les entraînements que Dieu te donne parfois. Tu as des songes que tu fais, on commence à te suivre, tu n'as plus de force. Tu dis, oh, je vais monter. Je vais monter. Tu vois, tu montes parfois, tu commences à voler comme un oiseau. C'est un petit entraînement. Parce qu'il viendra un temps où Satan te cherchera. Mais la Bible dit, Enoch marchait, Enoch fut agréé, trouvé agréable à Dieu. Et Enoch ne fut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Toi aussi tu seras enlevé un jour. Amen. Parce que tu seras trouvé agréable. Amen. Tu marches dans la foi. Amen. Tu as cru le message de ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vous salue les filles d'Abraham. Amen. Je vous salue les fils d'Abraham. Amen. Alors, après avoir bagarré. Oh là, après s'être bagarré. Parce que là, je pense à un Malien un jour à Paris. J'étais dans un bus, je crois que je venais de Vitry. Non, je venais d'Épinay, j'allais à Saint... Non, je venais de la porte de Paris et j'allais à Épinay-sur-Seine. Alors, il y avait trop de monde dans le bus. Il y a un Malien ou je ne sais pas qui c'était. Alors, une dame s'est disputée avec un homme. Il dit, c'est pas la peine de bagarrer. Dans le bus, tout le monde peut bousculer. Alors, il dit, c'est pas la peine de bagarrer. Amen, amen, amen. Alors, Abraham s'était bagarré. Comme toi, tu t'es battu avec les maladies.
Tu t'es battu avec les problèmes. Amen. Tu as été entraîné dans les cours et tribunaux. Amen. Tu t'es battu dans la nuit. Amen. Tu as été meurtri par des souffrances. Amen. Par des moqueries, par des critiques. Amen. Tu as eu beaucoup d'épreuves. Mais votre Dieu vous a donné la victoire. Amen. Tu as eu beaucoup de tentations. Amen. Et ton Dieu t'a donné la victoire. Amen. Quelquefois, le diable commençait à te dire même, oh, tu vois comment tu as commencé à chercher même le pantalon que tu avais déjà jeté. Parce que tu étais fâché contre ton frère. Le diable commençait à te dire, mais non, ce message, mais où est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que tu gagnes? Oh, Dieu est miséricordieux. Même si je commets des histoires, c'est un Dieu de miséricorde. Non, mon frère, mais toi, tu as regardé. Quelque chose te disait, c'est vrai, il est miséricordieux, mais il est aussi un Dieu saint. Amen. Il aime la sainteté. Amen. Et à cause de cela, tu as regardé à la croix. Amen. Et Dieu t'a donné la victoire. Amen. Comme Abraham ici. Après avoir vaincu, Amen. Il était faible parce que les vertus étaient sorties de lui. Amen. Vous savez, j'ai connu une fin d'année difficile. J'ai eu beaucoup de courses, des démarches avec des visites. J'étais très faible, fatigué. J'ai eu une petite grippe encore. J'ai dit à ma femme, mais je ne comprends pas, je suis fatigué. Je pensais que c'était le sommeil, mais j'ai compris que ce n'était pas le sommeil. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais comment j'arrive à tenir? Comment j'arrive à prêcher? D'où vient l'onction comme ça alors que je suis fatigué? Et quelque chose m'a fait penser à Frère Branham. Frère Branham dit, quand j'étais fatigué, quand les choses étaient bêtes qui m'avaient dépassé, il dit, c'est ma religion qui m'avait soutenu. Amen, amen, amen. Frère, tout chrétien sait qu'à un certain moment de sa vie, c'est vraiment la grâce de Dieu qui te soutient. Amen. Ce ne sont pas tes efforts, mais il y a quelque chose. C'est parce que Dieu avait déjà fait une alliance avec toi. Amen. 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 Nous lui avons donné notre vie. Amen. Et lui, il a permis que le diable nous tente un peu, nous éprouve. Mais il a dit au diable, attention, ne touche pas à sa vie. Amen. Sa vie est sacrée. Amen. Je vais écrire l'histoire avec elle. Amen. Je vais écrire les actes des apôtres avec ma fille. Amen. Ne touche pas à sa vie. Amen. Touche pas à la vie de mon fils. Amen. Parce que je vais écrire l'histoire avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parce que vous étiez fatigué comme Abraham, après avoir vaincu les cinq rois, Abraham s'était retourné fatigué. Il était allé pour délivrer son neveu Lot. Frère, la plupart des bagarres, des combats que moi j'ai et que vous, vous avez parfois, c'est parce que vous vous êtes engagé dans la voie du Seigneur. Amen. Quelquefois vous priez pour les gens, quelquefois vous priez même pour ceux de votre famille. Amen. Alors les flèches reviennent sur vous. Amen. Parce que vous êtes la semence royale d'Abraham. Amen. Ce n'était pas le combat propre d'Abraham, mais c'était le combat d'une autre personne. Amen. C'est pourquoi nous sommes de la semence royale d'Abraham. Frère Branham dit, la preuve que quelqu'un est sauvé, Dieu mettra aussi dans son cœur l'amour pour les âmes perdues. Amen. Vous jeûnez, vous priez pour que ce message aille de l'avant. Amen. Pour que votre église aille de l'avant. Amen. Satan vient, il te fait ça. Pourquoi tu pries beaucoup pour cette église-là? Amen. Tu commences à avoir beaucoup de combats. Tu as été combattu. Mais le Seigneur descendit. Il dit, Abraham, je viens, je t'apporte le pain et le vin. Amen. Alléluia. Amen. C'était Dieu lui-même qui avait officié la première sainte scène. Il est écrit là, le pain et le vin. Amen. Il dit, Abraham, je suis Melchisedec, le roi de Salem. Amen. Salem signifie paix. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais moi je suis capable de te donner la paix, amen, de te donner le repos,
que le monde ne peut donner. Le véritable Shabbat et repos, c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est que toi tu sais que tu as la vie éternelle. Amen. Quand le diable nous tourmente par des factures, par beaucoup de choses, mais il est incapable de nous arracher notre dernière consolation. C'est que Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Il m'a donné la vie éternelle. Amen. C'est la plus grande de toutes les consolations. Amen. 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 Et la Bible dit, il lui donna la Sainte Cène. Il lui donna le pain et le vin. Amen. Pour le fortifier. Et frère Branham dit, dans le repas du Seigneur, il y a la force. Amen. Quand ils prirent la Sainte Cène, la communion, le soir où ils sortirent de l'Égypte, la Bible dit, ils étaient forts. Amen. Pendant 40 années. Amen. Et leurs vêtements ne s'usaient point. Amen. Mais rassurez-vous, il y a d'autres vêtements dont la Bible parle dans les âges de l'Église. Les vêtements blancs dont Dieu vous rêvait. Quand vous avez cru le message de votre temps, amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quelles que soient les attaques, les flèches, amen. Ce vêtement-là ne peut pas s'user. Amen. C'est un vêtement dont vous avez été revêtu par le grand prince, Melchizedek lui-même. Le jour où vous avez cru en lui, amen. Où vous lui avez donné sincèrement et totalement votre vie. Amen. Il vous a dit de porter ses vêtements. Amen. Les souffrances peuvent arriver. Le monde peut se moquer de vous. Amen. Mais lui, quand il regarde, il voit que les vêtements sont sur vous. Amen. Même quand vous êtes faible, parfois lui va venir, il combat pour vous. Amen. 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 Souvenez-vous de cet homme qui marchait sur le sable du désert. Amen. Dieu lui a montré le trajet de sa vie, oui, dans une vision. Il marchait dans le désert. Il était avec Dieu. Et à un certain moment, il a vu quatre traces de pattes. Oui, de pieds, des jambes, pardon, de pieds. Et à certains endroits, il ne voit que deux traces. Il dit, oh Seigneur, je me rappelle qu'à cette époque de ma vie, j'avais beaucoup de souffrances. Seigneur, c'est le moment où toi, tu m'as fait abandonner. Il dit, non. Il dit, c'est le moment où je marchais seul. Jésus lui dit, non. C'était le moment où moi, je t'avais porté. Amen. Les deux traces de pas que tu vois, amen. Ce sont les miennes. Amen. Parce que je t'avais dit, je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne te délaisserai point. Vous pouvez dire ce que vous voulez, parce qu'il m'a sauvé, il ne m'abandonnera jamais. Je vous le dis la nuit, pour que vous ne l'oubliez pas. Peu importe ce que vous faites, il ne vous abandonnera jamais. S'il vous a réellement sauvé, il ne peut pas vous perdre. Jésus ne peut pas vous sauver aujourd'hui, pour vous perdre demain. Impossible, mon frère. Et Dieu lui a donné la Sainte Cène. Amen. Et lui a dit ces belles paroles. Béni sois-tu, Abraham. Amen. Est-ce que vous voulez des bénédictions? Amen. Parce que quand on donne la Sainte Cène, elle vient avec les bénédictions. Amen. Béni sois-tu, fils ou fille d'Abraham. Amen. Béni sois-tu cette nuit. Amen. Toi qui as été vainqueur du monde. Tu as été vainqueur à l'hôpital. Amen. Tu as été vainqueur dans les tribunaux. Amen. Tu as été vainqueur dans la famille. Amen. Tu as été vainqueur dans le monde. Amen. Tu as été vainqueur dans le monde des ténèbres. Amen. Tu as été vainqueur dans le quartier. Amen. Tu as été vainqueur. Béni sois-tu, fille d'Abraham. Jésus t'a accordé cette victoire. Amen. Pour qu'aujourd'hui, il puisse te rencontrer. Amen. 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 Et la parole de Dieu dit, Abraham se redressa. Il dit oui. La preuve que j'accepte ces bénédictions, je te donne la dîme de tout. Amen. 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 Dans les dons appropriés,
Frère Branham dit, ce que vous donnez à quelqu'un, cela montre comment vous le considérez. Amen. Amen. Ce que vous donnez à Dieu, ça témoigne de la considération que vous avez à l'égard du Seigneur. Fiston, vous avez mis l'offrande? Hein? Le bras. Non. Tu n'as pas mis? Non. Joachim, tu as mis? Ah! Quand je sortais aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, allez, les enfants, 5 euros, vous devez mettre. Bon, je n'ai pas trouvé 5 euros, je leur ai donné un peu la moitié, parce que j'étais pressé. Je dis, vous devez donner au Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous, pour tous les bienfaits. Frère, donner à Dieu signifie c'est le considérer. La dîme de tout, de votre temps. La journée compte 24 heures. 2h,4 ne vous appartient pas. Appartient au Seigneur. C'est pourquoi Frère Branham dit, un chrétien, la somme de toutes les prières qu'il fait par jour doit être au moins 2 heures. Amen. Pendant 2 heures, vous devez être dans sa présence, en train de prier ou de lire la parole. Amen. C'est la dîme du temps que Dieu vous donne. Amen. La Bible dit la dîme de tout. De tout, alors tout. De votre temps. Beaucoup de gens privent le Seigneur. Nous privons le Seigneur de notre temps. Nous avons le temps pour tout, sauf pour lui. Amen. Amen. Celui qui veut la force qui vient de Melchisédek, le prince de paix. Voilà ce que la Bible dit. La dîme de tout. Ok, le reste vous comprenez. Donc, maintenant, Abraham, lorsqu'il prit la Sainte Cène, Abraham avait des promesses. Vous savez, dans Genèse 14, Abraham avait des promesses comme quoi il serait père des nations. Abraham, tu seras père d'une multitude. Et promesse d'amour, ça dure, ça traîne. Mais il fallait manger le pain. Amen. Et le vin. Amen. Pour donner la force de marcher encore pour le Seigneur. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu a dit que c'est spécial. Amen. Et moi, je crois que c'est spécial. Amen. Je prendrai le pain et le vin de la communion. Amen. Parce que Frère Branham dit, il y a la guérison dans cette affaire. Amen. Il y a la délivrance dans cette affaire. Amen. Il y a la force dans cette affaire. Amen. Maintenant, communion, paragraphe 24. Vite. On va finir. J'ai terminé déjà. Maintenant, on va entrer dans le service. Paragraphe 24, communion. Beaucoup d'églises ont une communion fermée. C'est-à-dire que lorsqu'ils prennent la communion, c'est juste pour leur propre église. Mais ici, nous ne sommes pas une dénomination. Nous avons une communion ouverte à tous. Car nous croyons que chaque croyant a droit à la table du Seigneur. Afin de s'assembler dans la communion fraternelle autour des bonnes choses de Dieu. Avec chaque croyant, peu importe le credo, la couleur des peaux ou quoi qu'il puisse être.
Kozala na bandi minyoso, peu importe credo et pa yopi ya outi, couleur na ye ya po, mboka na ye ya outi, on ne regarde pas à ça. Amen. Amen. Nous pratiquons une communion ouverte. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, si vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous savez que vous menez cette sorte de vie digne de l'Évangile, si vous savez que vous avez le Saint-Esprit, cette table est pour vous. Amen. Elle est ouverte à quiconque remplit ces conditions-là. Maintenant, cette soirée, oui, paragraphe 93, je crois, toujours premier. Tous ici demeurez aussi tranquille que possible en ce moment solennel. Ok. Na kati na tango oyo ya solennel oyo munene bino nyoso bozala vraiment na kimia. Oui. Que c'est facile de laisser ces choses nous échapper. Poete ezali pasi mingi te po ba bénédiction minene et les kabiso boye sont dans une agitation. La Bible dit, à moins que nous laissions ces choses nous échapper en négligeant ainsi grand salut. Bible le dit était bon, t'es bon. Nous ne venons pas à l'église pour être vus. Nous ne venons pas pour entendre de bonnes chansons ou de bons sermons. Nous venons à l'église pour adorer Dieu. Et chacun d'entre nous, notre être mortel possède une âme qui devra les rencontrer un jour. Awa, montenu sa zali na am oyo esengeli emona nzambe mokolo moko oyi. Amen. Amen. On va terminer maintenant. Parce que je vais lire l'écriture pour comprendre la sainte scène. Prenons la prédication se ranger du côté de Jésus. Au paragraphe 94. Se ranger du côté de Jésus. Je vais d'ailleurs prêcher cette prédication. Quand j'ai vu ça, ça m'a plu. Je trouverai un temps pour qu'on en parle. Je crois que nous aimons nous ranger du côté de Jésus, non? Amen. Amen. Se ranger du côté de Jésus. Paragraphe 94. Écoutez. Le 1er juin 1962. On y va? Maintenant, souvenez-vous en faisant ceci. Si koyo, bomi kanisela malamo, ezali binoko sala eloko oyo. Vous découvrirez qu'il peut y avoir des fois où vous serez en désaccord avec un frère untel. Bokomona, ekoki kokoma, ete yo, nande komoko boye, boyo kanite na likambo moko boye. Vous serez en désaccord ici. Bino boyokanite na likambo moko boye awa. Et souvenez-vous-en quand vous en arrivez à dire eh bien parce qu'il ne croit pas. Kanisa malamu. Soki yo likolo ke boyokanite na likambo moko te na ndeko, okomi na boya koloba ete ok. Po ete ye azali kondima eloko te. Cela juste comme moi, je n'aurai pas 3 points de suspension. Lokola net ngai amona kamaka net ngai te alors 3 points de suspension. Alors, il y a quelque chose de faux en vous. Et loko moko ezali malamu te na kati na yo. Ce n'est pas qu'il ait quelque chose de faux chez l'autre frère. Te ezali te te ndeko wana nde ezali ne loko moko mabe. Yo nde muto ezali ne loko moko ya mabe. C'est en vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ezali nde na kati na yo ne eloko moko ezali kotambola malamu te. Quand les frères essayent de tenir ensemble, ta, pour que de quoi zali komeka, kanga batino ensemble,
95, écoutez maintenant ce que vous allez comprendre clairement ce que frère Branham veut dire maintenant ici. Voilà ce qu'il veut dire. Il arrive que toi et un frère ou une sœur, avec une sœur, vous soyez en désaccord. Alors, si tu en arrives au point de dire, parce que cette sœur est comme ça, alors moi, je ne parlerai plus avec les gens. Je vais être seul. Cette sœur aussi, elle me salue, je ne lui répondrai plus. Frère Branham dit, ce n'est pas que c'est dans cette sœur-là qu'il y a quelque chose de faux, mais c'est en toi. Pourquoi, frère Branham, tu dis ça? Écoutez, paragraphe 95. Il y a une chose, nous sommes neuf, nous les Branham. Et nous nous battions comme des petits chiens. Mais après tout, après que la bagarre était finie, nous étions toujours des Branham. L'un reconnaissait que l'autre était un Branham. Et celui-là reconnaissait que j'étais un Branham. Voyez-vous, mais nous nous battions. Vous les faites dans votre famille, mais ils sont toujours vos frères. Oui, c'est comme ça. Nous pourrions avoir des opinions divergentes. C'est tout à fait normal. Mais nous restons toujours un. Nous sommes un en Christ. Nous croyons ce message et restons avec cela. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Frère, quand vous avez des problèmes avec votre frère ou votre soeur, vous allez voir, après tout, mais elle porte la même jupe que toi. Elle prie comme toi tu pries. Elle jeûne comme toi tu jeûnes. Elle a des épreuves comme toi tu as des épreuves. Mais son problème peut-être, quand elle a mis son foufou là-bas, quand c'est son foufou, elle aime manger toute seule. Mais quand c'est le foufou que toi tu prépares, elle exige que vous le mangiez à deux. Il y a des gens qui sont compliqués comme ça. Mais c'est quand même une sœur. Un frère compliqué. Donc lui peut prendre ce qui est à autrui. Mais si tu prends ce qui est à lui, mais vous avez des enfants, non? Vous allez voir un enfant, lui, il peut prendre quelque chose qui est à son frère, mais quand son frère a besoin pour demander, c'est la bagarre. Amen. Mais c'est ce qui arrive parfois entre vous. Mais frère Branham dit, vous êtes toujours des frères. Amen. Que celui qui est plus spirituel, quand il a compris, il dit oui, je le comprends. Un jour, le Seigneur lui enseignera que ce mal d'être égoïste, il va l'apprendre. S'il ne l'apprend pas cette année, vous allez voir l'année prochaine, vous allez vous étonner. Vous arrivez, vous allez voir la soeur chante. Il dit, dans ce moule, venez, on va manger. Ce n'est pas que quand elle vous voit, elle commence à préparer la nourriture. Ils ont fait la tête. Elle cherche à ce que vous partiez. Depuis qu'elle tourne. Oh. Amen. Mais toi, tu allais manger, non? Mais tu étais sur le point de manger. Comment tu ne manges pas? Vous allez voir les enfants commencent à te faire pression. Mais maman, on a faim! Non, non. Attendez. Mais c'est quand même ton frère et ta soeur en Christ. Amen. Comme je dis toujours, ce que tu refuses de donner à ton frère, ou ce que tu refuses de donner à Dieu, l'État va te le reprendre. L'État. L'État va te le reprendre. Ce que tu ne peux pas donner à ton frère ou à ta soeur, Dieu sait comment te le récupérer pour le donner à la personne. Amen. Donc, à moi la vengeance,
à moi la rétribution. Tout ce que vous devez faire, c'est continuer à aimer votre frère, amen, à aimer votre soeur, amen, et à considérer que c'est simplement quelque chose qui passera. Amen. Parce qu'un jour, nous arriverons tous à la perfection. Frère, c'est la vérité. Nous arriverons. Parce que nous écoutons cette parole qui est parfaite, et cette parole nous amènera à la perfection. Je ne suis pas en train de parler des frères qui sont frères, mais quand la réunion se termine, bah, qui dit, il devient païen. Tu ne parles pas des gens comme ça. Ou une sœur qui est sœur en apparence, quand la réunion se termine, elle devient païenne. Celle-là, elle a besoin d'être délivrée. Moi, je parle des chrétiens. Amen. Mais qui traînent un petit caractère qu'ils ne veulent pas lâcher. Le Seigneur va t'aider à lâcher. Amen. Amen. La communion, c'est pourquoi au moment où nous nous apprêtons à nous approcher à la table du Seigneur, pardonner un Branham qui t'avait refusé quelque chose, pardonner ton frère, un chrétien, c'est un exemple qu'il a donné, mais nous, nous avons un nom commun à tous. Qui connaît notre nom commun? Oui? Chrétien. Chrétien. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes de la même famille. Toi, tu ne m'enlèveras pas. Moi non plus, je ne t'enlèverai pas de cette famille. Mais Dieu nous dit d'être capable de supporter ces différences et de pardonner. Amen. Et ce soir, pour t'approcher à cette table, prends la décision de pardonner. Amen. Toi aussi, tu n'es pas Dieu pour que tu attendes quelqu'un. Oh, il faut aller au Seigneur, pardon. Il doit venir me demander pardon. Non. Demander pardon, ça doit être une révélation. Amen. Peut-être que ce n'est pas un frère. Peut-être que ce n'est pas une sœur. Amen. Mais par respect, nous l'appelons sœur. Amen. C'est tout. Parce que si elle est chrétienne, si elle est chrétienne, elle demandera pardon. Amen. Si elle ne veut pas demander pardon, ou peut-être qu'elle n'est pas de nôtre. Amen. Alors fais attention. Nous voulons que toi, tu sois des nôtres. Amen. La preuve que tu es des nôtres, tu dois être capable de voir le mal que tu as fait. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit te convaincra de tes péchés. Amen. Le Saint-Esprit ne sera pas là pour te montrer les péchés des autres seulement. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas là pour que toi tu vois. Non, c'est le Nazan Esprit Mabé. Oh, Nazan Esprit Mabé. Faites attention. Le Saint-Esprit, c'est d'abord pour que tu vois ce qui ne va pas sur toi. Amen. Avant de sortir, j'avais mis mes vêtements sur la garde-robe là-bas. J'avais empêché le miroir. Alors ma femme s'est levée, elle a dit, oh, tu as caché le miroir avec tes vêtements. Elle voulait se voir. Vous pensez qu'elle voulait voir le corps d'une autre personne? Elle voulait voir son propre, ses propres vêtements pour voir s'il y a une tâche là-bas, s'il y a quelque chose là-bas. Spirituellement, ça doit être la condition de nous tous. Amen. La première personne dont tu dois t'occuper, c'est toi. Amen. Le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Amen. D'abord à Jérusalem. Ensuite, dans toute la Palestine, dans toutes les extrémités de la terre. Donc nous nous sommes battus, nous avons eu des querelles, nous avons eu des problèmes. Comprenez simplement que c'est un frère qui est un peu compliqué, que le Seigneur va redresser. Parce que nous prêchons la parole pour que nous soyons redressés. Nous prêchons la parole pour que nous changions. Nous prêchons la parole pour ne pas rester les mêmes personnes. Amen. L'année 2016 se termine, ma soeur. Amen. Ne sois plus la même personne de l'année dernière. Amen. 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 Bien. Nous allons nous lever pour commencer le service de la communion. Oui, le musicien.
Pendant ce temps, Frère Christian va me préparer. Que fais-tu? Alors, on va lire d'abord dans le livre des 1 Corinthiens 11. Il est 1h? Oui. 1h combien? 1h06. 1h06. On va utiliser pleinement notre ennemi aujourd'hui. Ne vous ennuyez pas. Les policiers, ils sont toujours là ou ils sont partis? Ils sont toujours là. Mmh. 1 Corinthiens 11. Et, oui, 1 Corinthiens 11, oui. Depuis le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Poète nazui ko utepai na kolo oyo ngai na lakisaki bino. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est que Yesu na pokwa na butu oyo ba kabaki ye a ye azwa kilipa. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit. Na simana ye kozwa lipa pe a buki yango et puis a rendre grâce. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Vous voyez pourquoi nous le faisons? Amen. Donc la nuit, le soir où Jésus fut livré, c'était quand? La nuit. C'est pourquoi ça s'appelle le souper du Seigneur. Ça se prend la nuit. Amen. Ou le soir. Comprenez-vous cela? Amen. Oh non, nous dans l'église protestante, nous le prenions le matin, nous le prenions vers 10h. Nous dans notre église où on était avant, on le prenait à 11h. C'est pourquoi vous étiez devenus têtus. Parce que vous faites ce que la Bible ne dit pas. Donc nous ici, nous voulons faire ce que la Bible dit. On ne prendra jamais la communion ici le matin, ça sera toujours le soir, c'est-à-dire la nuit. Ok, on y va? De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit. Simarabango, Olia, Azupe coupe à l'obi. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Coupe Oyo Ezali Alliance Yasikala Makila Nangai. Faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bosa Yango, Pola Kokani Sangai, Tango Nyoso et Kolia Kabino Yango. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, Tango Nyoso Bino Bosali Kolia Lipa Oyo, Tope Komela Vino Oyo. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous allez quoi annoncer était Yesu akufaki ti kino ye akati mokolo mususu pe ye ako zonga. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, na boye moto oya kolia tope akobela ken oya nzambe alors que ye azali na vie oya mabe sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ye akozala akokweisama liboso ya nzoto pe na makila ya kolo. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Moto nyoso amitala na kati na ye moko. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Avant ye amela pe ali aliba oyo. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et belé la batopé, ma koufi.
Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce qui bisomoko tomisambisi, motorosambisabisote. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Kasi ce qui zame a sambisi biso yende a pesi biso etumbu. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Poete bisoto poe samate na mokili elongo. Ainsi, mes frères. Lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Amen. La communion, mes frères et sœurs. Que fais-tu? Qu'attends-tu? Paragraphe 157. Alors que nous sommes debout, oui, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir un instant. Que fais-tu? Qu'attends-tu? Oui. Paragraphe 157. Suivez très bien. Que fais-tu? Qu'attends-tu? Du 1er mars 1959. Chaque chrétien devrait prendre la communion. Voilà. Chrétien Nyoso et Sengelinae Kozoa. Communion ouyu. C'est votre devoir. Ezali etindami pour la yo. C'est le moment de vérité. Ezali tango ya vérité. Voyez-vous, Jésus a dit. Bomoni Yesu alobi. Si vous ne l'apprenez pas, vous n'avez pas de part avec moi. Ce qui osui a moté, yo ezali na parte na kolo Yesu Christ. Mais celui qui mange et qui boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Kasi oyo akomela yango alors que ye azali dignité azali komela pe jugement contre ye encore. Cela veut dire que si vous êtes encore dans le monde, yango elingi koloba boye soki yo ozali nalo na mokili, en train de faire les choses du monde. Et que les gens vous voient prendre la communion. Et que vous faites quelque chose de mal. Vous ne faites qu'apporter la disgrâce sur vous. Et cela ne peut que vous faire du mal. Ce n'est pas que cela fait du mal à Dieu. Mais c'est à vous que cela fera du mal. Ainsi, chacun devrait s'examiner. Oui, cent cinquante-neuf. Et avant de nous approcher de ce moment sacré, demandez à Dieu de sonder votre vie. Et si j'ai fait quelque chose qui n'est pas juste, pardonnez-moi pour cela. Je n'ai pas l'intention de le faire. Je mettrai la chose en ordre. Lève-nous parce que le Saint-Esprit est là. S'il me les pour révèle, atteindre ta confession. S'il me les révèle. Et je demanderai la même chose à votre égard. Il est dit, quand vous vous rassemblez, attendez-vous les uns les autres. Oui, mes frères, c'est ce que Dieu vient de nous dire. Nous allons passer une minute ou deux pour nous examiner nous-mêmes. Le Seigneur dit, si Dieu te révèle quelque chose ou une condamnation quelconque, il dit rectifier la chose. C'est le moment de prendre les résolutions,
de ne plus faire ce que tu faisais avant. Parce qu'Abraham avait mangé la communion. Il avait mangé le pain et le vin. Mais Abraham avait pris la décision de consacrer sa vie au Seigneur, de lui donner la dîme de tout, d'être voué à lui, d'être chrétien. Seigneur mon Dieu, prions tous ensemble. Seigneur Jésus, j'ai volé énormément de ton temps, Seigneur. Énormément, Père. J'ai eu une fin d'année difficile, Seigneur. Faible, Seigneur. Mais toi, tu m'as soutenu. Père, je sais que tu l'as fait parce que tu m'aimes. Maintenant, Père, moi aussi, Seigneur, je veux désire faire ma part. C'est-à-dire faire le travail, Seigneur, que toi, tu m'as demandé. Donne-moi la force d'être plus souvent dans ta présence. Je veux être un pasteur attentionné aux problèmes des brebis. Je veux être un bon mari pour ma femme. Je veux être un bon père, Seigneur, pour mes enfants. Un bon frère pour les bien-aimés, Seigneur. Pardonne, je te prie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne à tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne à tes fils, à tes filles, Seigneur. Je désire que cette communion, Père, quand ils la prendront, Seigneur, que la guérison vienne dans leur corps. Que la délivrance arrive dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et alors que nous sommes debout, commençons les services. Thank you.
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les remplit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il prit le pain et rendit grâce. Ô Seigneur Jésus, je te rends grâce, car ceci est le type de ce qui se passa un jour où toi, Seigneur, tu fus livré et ton corps fut brisé, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je te remercie parce que nous allons annoncer ta mort en le faisant et ta résurrection. Au nom de Jésus, bénis ce pain. Que la puissance de guérison, de délivrance, de bénédiction entre, Seigneur, dans ce pain. Et qu'en le prenant, tes enfants soient restaurés, guéris, fortifiés comme Abraham. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur nous a aimé. Lève cette coupe devant toi. C'est celui qui vivit ton sang. Versé pour moi, pour mon frère et ma soeur. Je me souviendrai toujours de ce sacrifice. Du sang versé. Amen. Au nom de Jésus, nous le prenons, Seigneur, avec action de grâce. Et te prions, Seigneur, de le bénir et que la puissance de la résurrection entre dans ce couple pour donner à tes enfants ce qu'il leur faut pour être braves et forts au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes dans la prière, levez-vous là-bas. C'est un moment de prière
Priez pour votre frère qui est en train de prendre la Sainte Cène. Du Seigneur, bénis-le. Fortifie-le. Qu'il ne soit plus la même personne. Pour que l'année qui arrive le trouve dans la foi ferme et qu'il tienne bon. Au nom de Jésus. Priez Seigneur. Puisse le sang accomplir son œuvre.
viens ici. Oui, Jésus est là. Ah, toquez les sœurs, c'est le sang. Les allées qui collent. Alléluia. Mes amis, soyez toujours dans l'attitude de l'adoration, de la prière. Dis Seigneur, guéris-moi. Amen. Seigneur, bénis-moi. Délivre mes enfants. Délivre ma vie. Thank you.
Et ce qui m'arrive.
Dans les cafés, on va adorer le diable jusqu'au matin. Amen. Mais toi, tu vas interrompre, pourquoi? Toi, tu vas interrompre? Non! Oh. Dans les cafés, on va adorer le diable jusqu'à 6 heures. Et puis, vous allez voir quelqu'un qui va sortir. Petit, Oezan Nord ou bien Est.
Ok, à partir du verset 1er, Jean chapitre 13, suivez. J'aimerais que vous sachiez que tout ce que nous faisons ici, c'est la parole. Amen. Je crois que tout celui qui voulait prendre la Sainte Cène a pris. Amen. Ok. Avant la fête de Pâques, oui. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Liboso, la fête il y a Pâques, Jésus courait bah était temps on allait à Kokindi et Koki. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Simanae Kolinga, bah Oyo Yaye, Oyo Bazala qui n'a qu'à tirer mon kili, mis les combles à son amour pour eux. Yé, à ton disama qui demande la Bolingo pour la Bango. Pendant les soufflets, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, Nakati na soupe tope bilei o ya poko a auto uti kolia awa tango diable a inspiré ki mwana na ye Judasi fils de Simon le dessein de l'édifré mwana ya Simon na makanisi ya koteka Yesu. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Yesu o aeba ki ete tata apesi nyonso na maboko na ye, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, ye autaki epai na Nzambe ete abandaki kozonga pe epai na Nzambe, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit, ye alongwe na table epai wapi bango baliaki pe bameli elambo, azwi linge pe atie na kati ya tai na ye. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Yé atie mai na kati na bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples. Abandi kosokola makolo ya bayekoli na ye. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Pe yé abandi kopangusa yango na linge ou bien sa na yango. To sauté, toke na verset 12. Après qu'il ait eu lavé les pieds, na simana Yesu kosokola bango makolo, et qu'il y prit ses vêtements, simana ye kozwa bilamba na ye, bilamba na bango, il se remit à table et leur dit, azoni la mesa pe alobi na bango, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous allez kosokola oyo na sali bino? Vous m'appelez maître et seigneur, bobengi ngai kolo pe mokonzi, et vous dites bien car je le suis. Bolobi a solo poete nazali yango. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur. Amen. Vous vous demandez un instant. On a appelé Seigneur. Jésus a dit vous faites bien parce que je suis le Seigneur. Seigneur. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Son nom est Jésus. Amen. Ok, ok. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Sotingaï, Motonazali, Molakisi, Pekolo, Nasukoli Binomakolo. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et Tindami, Ezali, et Tindameli Bino, Bino, Pero Salayango, Bosokola, Makolo, Yabamo, Potope, Bamo, Soussou. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Pongai na lakisibino nakisa. Poete binobo sala lokola ngai na sali. En vérité, je vous l'ai dit. Solo na ebisibino. Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. Tala, mosali aleki kolona ete. Ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Ah, atayo, mtuba tindi. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes errés. Amen. Pourvu que vous les pratiquiez. Ah, mais kasi soki bosali yango nde. Bos boye bango kaka te me bosala pe. Vous voyez? Amen. Nous faisons ce qui est écrit dans la parole. Amen. Oh non, moi dans mon église où on était, nous on ne faisait jamais ça. C'est pourquoi dans cette église où tu étais, vos pieds sont sales. Parce que vous ne les laviez pas. Même le pape va se moquer de vous parce que le pape avait lavé les pieds déjà à Rome là-bas.
Nous sommes une église de plein évangile. C'est ça le message. La différence entre le message et la dénomination, c'est que la dénomination fait des choses qui l'arrangent. Mais nous, nous faisons ce qui est écrit dans la parole. Amen. Vous savez les vins que vous venez de prendre. Dans les églises du monde, ils disent non, non, Moni, Dieu a interdit l'alcool, nous on doit prendre la limonade. Dieu a dit vin, ça sera le vin. C'est tout. Mais le vin, nous le prenons ici à l'église. Si tu commences à le prendre enfermé dans ta maison, nous allons te poursuivre. Tu dois le prendre ici. Amen. 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 J'ai un ami que je connaissais à Moscou, nous sommes allés quelque part. Alors on nous a demandé, mais oh, mon ami, qu'est-ce que vous buvez? Alors moi j'ai dit, apportez-moi un coca. Alors lui il fait, il dit, vino au centre. Alors il prend ses mains, il met sur son cœur. Non, non, là il vino au centre. Sous là, caché. Ok. Donc nous allons faire le service de lavage les pieds. Donc on va, les frères vont apprêter les affaires là-bas. Donc les sœurs commenceront et les frères feront ensuite. Donc comme on a seulement cette pièce-là, donc on va laisser les sœurs d'abord le faire et nous on va faire après. Bien. Nous avons ici un papier que la sœur Marthe a écrit. Tu peux lire ça? C'est un remerciement de la part de la sœur Marthe. Je remercie le Seigneur, mon Dieu, de m'avoir protégé durant l'année 2016 jusqu'aujourd'hui. Et son saint nom soit loué à jamais. Que Dieu bénisse l'Île de la Vallée et le pasteur Franck. Que Dieu nous garde encore pour le reste de nos vies ici sur la terre. Je vais chanter pour l'honneur du grand roi. Amen. 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 Donc, la sœur Marthe veut chanter quelque chose pour remercier le Seigneur. Amen. Ok, elle peut passer. Si c'est un chant que Frère Stein connaît, il va l'accompagner. Si Frère Stein ne connaît pas, ce sera un cappella, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. C'est une soirée de louange, de prière, d'adoration. Amen. Donc ne dormez pas. Ok. Apprêtez-moi de l'eau dans mon bureau là-bas, moi je vais travailler. Oui, sûrement. Elle est où? Oui, mais tu peux passer? Il y a la sœur Marie qui voulait chanter. Elle est là, la petite. Comment elle s'appelle? Cynthia. Elle est là? Elle est là, Cynthia? Ok, vous allez chanter avec Marie. Ok. Oui. Amen. Je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vais chanter la grâce étonnante. Frère Philippe connaît ces chants. Oui. Grâce étonnante. Thank you.
Hallelujah.